Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le démonnage de l'Amazfit GTR 3 Pro en version grise marron. Alors voici le packaging se présente comme ça. On est vraiment sur une petite boîte avec les informations derrière classiques. Voilà. Hop, alors c'est parti pour le déballage. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur du packaging? Alors, comment est-ce qu'ils sont déjà? Hop. Hop. Alors le packaging se présente comme ça à l'intérieur. On va l'ouvrir. Nous avons déjà la montre dans un premier temps qui vient avec son socle. Hop. Alors on va essayer de l'enlever. Tout simplement comme ça. En ouvrant sur le côté, je vais la mettre de côté pour le moment. Alors, on a une première boîte avec, j'imagine, la partie chargeur. Voilà. Et on a une deuxième partie où... Bon, c'est la notice d'utilisation. C'est la notice d'utilisation, rien de bien, rien de plus classique. Du coup, c'est les deux seules choses qu'on a dans la boîte, du coup le chargeur et la montre. Alors, du coup la montre, si on fait un petit tour. Là, elle se présente comme ça. Elle n'est pas très très épaisse. Enfin, je m'attendais à pire. Le bracelet, ça va. Il fait un peu cheap, mais c'est pas. C'est pas si, enfin c'est pas si voyant que ça. Je m'attendais à pire. Voilà, hop. Hop, j'enlève le petit autocollant en dessous, le petit autocollant dessus. Et j'imagine que du coup le chargeur doit venir directement se placer. Peut-être un sens. Voilà, se placer comme ça en dessous. Hop, vous voyez. Donc il est aimanté, donc c'est assez facile de le brancher. Alors, on va essayer de l'allumer. Je sais pas quel bouton par contre. Ah, voilà. Elle vient de vibrer. Ok. Bon, elle est en train de démarrer. Sous EPOS. Et du coup, bon, on va la passer en français. Puis après, du coup, faut que je passe sur la partie configuration de la montre. Donc voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et au revoir.